Salut à tous, Adrien. Aujourd'hui, on se fait agresser pendant l'introduction. On est parti pour le nouvel épisode numéro 16 de Darksiders. Et je m'excuse d'avance pour ma voix très... nasale, si j'ose dire. Puisque je suis toujours enrhumé. Pendant que je déchiquette un zombie... que je ravale son énergie vitale et que je sais plus où j'en suis. Ouais, j'ai besoin de ta vie. Thanks a lot. Allez. Je te tranche en deux. Boom. Petite musique très western, bitch. Hey, merci de me servir d'accélérateur. Y'a rien par ici. Est-ce que tu aimes mes coups de hache? Crac. Un petit coup en l'air pour calmer ta mère. Excusez-moi, ce n'était pas la phrase que je voulais construire, mais quand j'ai vu le mec exploser, j'ai dit ta mère par réflexe. Ça, c'est à cause de mes fréquentations, hein. C'est vraiment pas honorable. Besoin de vie, excuse-moi. On voit un peu rien avec la caméra, mais c'est pas grave. J'aime dire, tant que j'arrive à tuer des gens, c'est que c'est... Oh tiens, un autre. Viens là toi. Chargé. À la sœur. Dead. Ok. Ouah. Oh, j'avais le choix en plus. Oh, c'est dommage ça. Bon, bah les couilles, j'avance. Oh, elle m'a looté une masse. Non, non. C'est quand même super. Y'a aucun âge à sauver quoi. What the fuck? Ah, au fait, j'ai oublié de m'excuser. Est-ce que je l'ai fait? Je sais même plus si je me suis excusé, mais si jamais je me suis pas excusé, veuillez m'excuser pour ma voix très nasale. Je l'ai déjà dit que j'étais enrhumé, je suis débile. Bon, t'as l'habitude. Aïe. Putain, mais je veux juste consommer la potion. Oh.
Il est tombé? Tant mieux. Il me semble un peu la vie en fait là en tombant. Oh fuck. Boum. C'est ultra puissant cette connerie. Tout qui pète. Wouhou. Samy, dans ta gueule. Boum. What the fuck. Oh, y'a personne à sauver sur les murs. Bon. Il va y avoir des copains par ici. Putain. Faut alors que je récupère très vite cette potion de soin. C'est bon. What's up, nigga? C'est Hosted qui dit ça, je crois, en plus. Allez, dégage! Boum! 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 Boum, boum, boum! Boum, boum, boum! Boum, boum, boum! Wouhou! Time to explosion! Oh fuck! Ah, par contre, pour les insectes, ça va être un peu plus chiant, mais. Il va falloir vivre avec, hein. Wow. Ouais, en fait, c'est plus compliqué que je pensais avec cette arme. Quoi que ça. Le souci étant toutes les merdes qui me tournent autour là. Allez. Yes. Aïe, de toute façon ça vient de se suicider sur moi. Aïe. Oh, tant pis. Oh, oh. Ouf. Les mecs, laissez-moi ramasser mon stuff. Et un marteau de food. Ok. Alors déjà, je suis full life et j'ai encore une popo. C'est déjà pas mal en soi. On va voir si je la... Si je la fais bouffer un peu de... Accepter. Ouais, le problème c'est que... Santé par coup critique, c'était OP ça.
Je crois que j'ai capté un truc, c'est on va tenter un truc, vous allez voir. Hop, je fais craquer un peu de... Voilà. Et là, par exemple, si je fais... dégâts critiques, vous allez voir. Il va me proposer dégâts critiques. Voilà, c'est exactement comme je pensais. Donc, il faut trouver... Il faut que j'achète une arme qui me propose... faut que j'aille voir un vendeur et que j'achète un truc qui propose des... De la vie par coup critique. Même si c'est un objet de merde, on s'en fout. C'est juste histoire de... Ah, t'es solide, toi. Ok. C'est quoi ce pouvoir immense? J'aimerais bien savoir ce qu'ils veulent dire par puissance immense. Santé par victime. Ah, ça pourrait être intéressant, ça. En fait, je crois que je viens de comprendre en fait comment, juste comment marchent les upgrades. Alors que ça fait je sais pas combien d'heures qu'on joue, c'est quoi. Oui, ça a mis du temps, mais j'y suis arrivé finalement, c'est pas plus mal. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Oh bah tiens. Le bâton d'Araphel est comme neuf. Je suis tenté de te demander de t'en servir pour nous aider dans cette guerre, mais le destructeur risque de s'en emparer à nouveau pour servir ses sombres desseins. Non. Il vaut mieux qu'il quitte ce monde et repasse dans les mains de l'armée blanche. Les gardiens des enfers se battront seuls jusqu'à leur dernier souffle. J'aimerais vous aider, Uriel, mais le salut de mon frère passe avant tout. Tu as fait preuve d'honneur. Une vertu bien rare chez les Néphilim. Mais si jamais je le revois, War devra répondre de ses crimes. Il ne peut pas être responsable de tout ça, et je le prouverai. Fais ce que tu veux, cavalier. Mais rien ne pourra jamais restaurer ce monde. Et les gardiens des enfers, Uriel. Toute l'âme finit par s'émousser. C'est bien ce que j'espère. Notre victoire n'en sera que plus douloureuse pour les démons. Ok, madame. Alors, attendez, est-ce qu'il n'y a pas un vendeur? Comme j'ai dit, je veux un truc qui me donne de la machette par critique. Flèche de cristal. Ok. Bon, ben, je suppose qu'il faut d'abord que j'aille. Dommage que je puisse pas désenchanter mon arme. Et du coup, je suis presque tenté de laisser tomber cette arme possédée et de la refaire pour une autre, en fait. Mais comme je veux. Prenez garde à ce que vous souhaitez, Harkon. Vous pourriez l'obtenir. Le bâton d'Araphel. J'ai attendu si longtemps. Il est aussi puissant que je l'avais imaginé. Vous n'aurez donc aucun mal à ouvrir une voie dans votre cité. Une voie? Non. Je vais purger tout le royaume. Je vais combattre les ombres avec la lumière! Il va te falloir des ailes pour atteindre la citadelle.
Cherche le plus ancien des scribes. Il erre encore dans les décombres. Il peut t'aider dans ta quête. Wow! On ne peut pas le piloter, bien entendu. Wow, c'est quoi ces bugs de caméra là? Ok. La caméra bug un peu, c'est pas grave. Mais je voulais faire des emplettes au fait, vous êtes cool, mais. Oh, le monde vire au gris. Et la caméra bug encore. Pour une fois que c'est pas les FPS, je les vois à 30 là. La citadelle d'Ivuer. Ok. Attendez. Déjà, je vais éternuer. Pour l'instant, ça va. Ah, je l'ai éternué. Oh là là, putain, je sais pas quand ça arrivait. Ouais, ça arrive. Oh la vache! Qu'est-ce que c'est chiant d'être enrhumé! En plus, j'ai une voix de merde quoi! Déjà que j'ai pas une super voix, alors en plus. S'il y a l'autre connerie de maladie qui s'y ajoute pour me faire chier, c'est vraiment pas cool quoi! Salut! J'ai de nouveaux articles à vous proposer. Elle a une santé parcours critique. Dégâts perforants de gel. Attendez, il faut que je trouve une. Dégâts critiques. Dégâts critiques, force. Dégâts d'électrocution. Oh! Dégâts d'électrocution. Attendez, je vais regarder où j'en suis de point de vue optimisation. Donc t'as quoi surtout sur l'arme là? Dégâts perforants, dégâts critiques et magie. Santé parcours critique et chance de critique. Est-ce que j'ai une arme qui me donne des chances de coup critique? Non. On va améliorer un peu. Hop, hop, hop. Hop. Dégâts critiques. Attendez. Dégâts perforants. Dégâts critiques. Il me faudrait des chances de coups critiques en fait. Moi monsieur, tu vends des objets. Pourquoi il s'excite lui? Dégâts critiques. Chances de critique. La lumière. Alors. Sacrifier, accepter. Ah, je peux pas. Ah, c'est triste. Ah, dommage. Elle est à fond là? Ouais, elle est à fond. Bon, ben. Tant pis, je n'aurai pas une amélioration des chances de critique. Bon, tant pis. Claire votre route. Si j'avais pu sacrifier l'arme possédée, n'empêche. Bon, du coup, je suis ensanglanté et oublié. Je suis un peu. Comme moi.
Vous n'êtes pas un peu à la rue niveau fric du coup maintenant. Mais c'est pas grave. Au moins j'ai encore mon heal par crit. Combien j'ai de chance de coup critique? Chance de critique 3% quoi. Oh là là, c'est tellement triste. Bon. On va dire que je critiquerai pas beaucoup. Hein. Tant pis. C'est comme ça. Bref, on y retourne. On va voir un peu la gueule des... Oh, ça va, elle est cool. Petit coup de thé World of Warcraft, quand même. D'accord. Bizarrement, j'ai pas envie d'y aller. Ouais, voilà. J'avais raison de pas vouloir. Ça m'explique comment j'y vais, là. Oh! Je n'avais pas vu ça ainsi. Ok, on va descendre le machin. Boum, et puis boum. La lumière! La lumière, t'en mets plein la gueule. Touk. Y'a le truc au mode. Oula. Bon, je me trouve du stuff, chance de coup critique en fait. Oula, oula, oula. En tout cas, j'aime bien ce petit côté guerrier de la lumière là, sur Death. Bon, c'est pas très... D'un point de vue technique, c'est pas réellement ça. Faut juste que je change mes bottes et puis j'aurai un set complet, quoi. J'aime bien, c'est assez stylé, je trouve. Bluff. Bonjour. Ah. Le truc dégueulasse qui sort des statues, un peu à la Alice Madness Return. Et bien, coup critique. On va essayer par là, de toute façon, c'est que par là que je peux aller. Fuck. Voilà. Mieux comme ça. Eh ben, on progresse. What? Ok, il y a des trucs corrompus. Bah, il y a un coffre. Clac. Couper tout en finesse. Fout. Un petit coup de faux. Chance de critique magique. Pourquoi j'ai que des trucs de mage? Putain. Je connais plein, ils doivent être là, ils jouent Darksiders un peu en mode Magus là. Ils doivent être là. Oh mon dieu, Adrien, tu fais chier, je voudrais trop ce stuff. Bah oui, bah moi j'aimerais bien avoir un meilleur stuff aussi, t'inquiète pas. Oh, j'ai 3 compétences. Mmh.
indomptable. Et va prendre. Non, ça je m'en fous. On va prendre ça. Voilà, j'avais oublié dans les épisodes précédents, donc je le fais maintenant. Hein. Mais c'est fait. Allez, crève! Oh cool, une potion. Hop là. Merde, par là. Je veux le coffre. Il y a encore une de ces pierres à la con. Je ne peux pas. Des fous possédés qui ont de base plus de dégâts, ça fait quand même mal au moral quoi. Sachant tout le sacrifice que je viens de faire pour les miennes. Ok. Merde. Voilà, je vais me faire agresser. J'ai mal. D'un côté, ça m'arrange d'avoir une nouvelle arme possédée qui est déjà plus puissante parce que ça veut dire que je vais collectionner un peu de stuff et puis je pourrais l'échanger. Exécution. Allez, comme ça, dégâts critiques, je vais pouvoir le foutre sur ma. Alors. Ok, on m'explique? What? Alors, je crois que j'ai gentiment fait planter le jeu là. J'ai fait un truc qu'il a pas dû kiffer en fait. Alors mec, il s'est balancé. Bon, bah voilà, hein, j'ai envie de dire, ce sont des choses qui arrivent. Pour ne pas citer quelqu'un un peu foufou et super sympathique. Alors regardez. Bra. Je suppose qu'il faut que j'utilise de l'énergie magique. Bon. Merde, j'ai la portée pour l'emmerder là. Ça me ferait vachement rire. Bon. Je suis pas déjà passé par là. Si, je crois. Bah oui, putain, je suis débile. Hop là. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ok. Hop. Donc là. Mon grand, moi aussi j'aimerais bien venir t'en mettre une, mais. Mais avant cela, j'ai 2-3 petits trucs à faire, genre ça. Ninja!
Je sais pas du tout par où faut que je passe, mais j'y vais quoi. En tout cas, l'obstacle de la corruption serait pas venu ici, ce serait super beau. Comment je passe? Genre le mec, je le coupe quoi. Oh non, t'es sérieux, il manque que dalle quoi. Allez! Putain. Réfléchir, réfléchir, réfléchir! Ouais, ils sont pas bêtes. Hein. Oh! Ah non, ils sont vraiment pas bêtes. Comment est-ce que je pourrais faire? Oh! Salope. Et bang. Il y a un truc activé par là. Genre par là. Ok. À quoi sers-tu? Je sais me battre là, sans. Bon, écoutez, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Niveau portée. Ah là, ça se passe moins bien. Bon, t'as cette portée, je t'en supplie. Ah, je... Ça a changé quelque chose? Ah, toi tu t'es pris une critique. Ça va rien changer, je suppose, mais ça se tente. Solution à mon énigme est juste à côté. En tout cas, il y a des portails comme dans le Darksiders 1. Donc ça permet assez de se rendre compte assez obviously qu'il se passe bien un truc. Donc, crève. D'accord, je comprends mieux. C'est toujours de la même histoire, faut que... Voilà. Et là, normalement... Nickel! Je veux juste de s'en rendre compte. Oui. Fortuna. Ah, je...
Au vainqueur va le butin. Oh. Ah ouais. Comme quoi j'ai bien fait de croire que c'était le chemin principal. Attendez, vous voyez voir. Ah je peux pas là. On va essayer hein. Je pense qu'il y a moyen de... Déjà on va voir son skin. Bof. Oh, ouais, le skin est unique quoi, je pense. C'est une arme semi-légendaire. Bon, on va pas se plaindre. Bonjour. Le Transpatium. Ouais. Et mon gâteau alors? Oh non. Oh non, énorme. Ah vraiment. Ah, la THQ m'ont vendu du rêve là. Enfin, THQ. On va plutôt dire, pour être franc, les développeurs de Darksiders 2. Oh putain, j'ai oublié leur nom. Relic, je crois qu'il s'appelle. Attendez. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Relique, un truc comme ça. Oh, je sais plus, putain, pis. Le Transpatium. Et mon gâteau alors? Attendez, y'a pas un truc à débloquer là-bas parce que je suis parti comme un gros sac. Genre, sans vérifier, ça se peut, j'ai loupé un truc monstrueux quoi. Non. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Alors toi, je te condamne. Oh, il y a un truc qui a fait du bruit là. Super Papa Tailleur. C'était pas ça qu'il fallait faire. Oui. Bref. En tout cas, on est parti. Ouh, je vais tomber. Enfin, en tout cas, j'ai vu le moment où j'allais tomber. Oh putain. Cette fois-ci, je suis avec ma vraie forme, man de pute. Qui croit qu'elle débouille automatiquement les ennemis. En fait, c'est faux, c'est un mensonge, on nous ment. Fallait. Je te condamne. Quelque chose me dit que je ne devrais pas faire ça. Attendez. Attends, d'abord, toi là-bas, je te condamne. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Pourquoi je n'y arrive pas? J'ai dit je te condamne. Ferme-toi. Toc. Oh. Def. Ok, ouais, comme dans le 1 quoi. Étoile du voyageur. Deux voyageurs. Je suis là aussi. C'est parti.
Super jump. Et de coup, ce fut le silence plat. Plouf. Ouais, là, ça va se refermer. Il va y avoir un combat. Un nouvel ennemi, Aphid. Ok. Ah d'accord, j'y pique. J'y pique du butin pas dans le combat en fait. C'est cool pour faire du fric. Par contre, je manque un peu de puissance de feu du coup, et puis le fric, je m'en fous quoi. Je vais équiper. Ah, je peux lui redonner ma. Oh! Attendez, sacrifier. Oui! Santé par coup critique. Oh! Pourquoi cette fois-ci j'ai réussi à sacrifier mon arme? Putain, c'est nul. Ah! Bah, je voulais en fait. À la base, je voulais que tu me donnes le bonus de critique. Hein. Mais c'est pas grave, donne-moi de la santé. Par contre, là, je vais deal. Je vais deal. Allez. Souffre un peu toi. C'est bien, t'as bien souffert. Oh, je peux l'exécuter. Oh. 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 Bah t'as plus de tête hein. Dégâts. Tout simplement. Attends, je vais casser la gueule à ces deux là. Ok. Oh, t'as plus d'elle. Oh, oh fuck. Wow. Du coup il y en a un qui est tombé. Tant pis, j'ai envie de dire. Oh. Oh fuck. Coalition Destruction. Ok. Là il se passe un truc. Oh, j'ai découvert un... Oh, oh le... Vois-toi. Chance de critique, santé par coup critique. Oh, neat. Il faut que je le sacrifie au bon moment. Allez. Faut un petit truc en plus.
En tout cas, j'ai trouvé des bons gantelets pour mes sacrifices. Toi, par contre, tu t'actives quand tu veux, mon grand. Je suppose qu'il te faut un autre truc. Oh, oui, oui. Allez, vas-y, donne-moi ton énergie. Yes, ça m'a pété. Fire! Non, corruption. Pourquoi? Ça, c'est pas trop difficile pour l'instant. Par contre, j'ai l'impression que mes fous, elles font tellement mal. Oh, mais regardez-moi ça! Ouais, je vois même pas ce qui se passe tellement elles font mal. Que je me fais un peu martyrisé par des putains d'esprits de merde. Moi, j'aime pas ça, les esprits de merde. Non mais je t'explique. Ta gueule. Genre nope. Oh, on va entrer dans un truc, je crois. Oh. Ok, mesdames. Oula, oula. Oula, j'y mets un sacré combo qui a pas plu. Pas, ni à elle, ni à mon PC. Je t'arrache les ailes, moi. Clac. J'espère que t'as kiffé ta douleur. Nice. Santé par coup critique. Mais là, il faudrait que j'augmente mes dégâts critiques. Yep, ce serait un super plat. Quick. Ah, d'accord, attendez. Merde. Je suis trompé de côté. Non. Bon, d'accord. De toute façon, je peux remonter quand je... Non, je peux pas remonter quand je veux, en fait. Fais foutre dehors là, attends. Oh, je crois que j'ai pigé. Non. Voyons voir. Je suis pas vraiment pas sûr, par contre, ça m'énerve ça. J'aime pas ne pas être sûr, vous voyez, c'est. J'aime pas le doute. Personne n'aime le doute. Mais oui! Je crois que ça a pas marché par contre. Faut que je retombe. Vous allez voir. Même ça marcherait pas. Oh, quoi que... Oh, mais oui, bien sûr! En forme statue, ça devrait marcher. Je vais expulser ma statue, donc ça va casser les barreaux, je pense. Bon, on n'est plus qu'espérer. Toi, tu me casses les couilles, tu vois. Ah, vous me cassez les couilles. Putain, c'est moi, ils sont deux. Non, il n'y en a qu'un. Oh, mais... Ah oh vous me cassez les cacahuètes, les mecs. Je crois qu'on va pas être copains longtemps.
Hop. Hop. Et là. Quick. Hello. Hop là. Des la fontaine et des corruptions. Fuck. Oh. Attends, laisse-moi deviner. Là, genre un putain d'angle pour le truc qui fait des rayons, c'est ça? Faut que j'aille de l'autre côté. Ah non. Je suis mort? Ah, ça m'a one shot. Ça m'a one shot. Ah, je suis là du coup. What? Ok. Donc là, ça c'est me coincé, du coup, faut que je me démerde. Comment vais-je trouver une. Une source d'énergie. On va la recharger celle-là aussi. Bah bah voilà. For the light. Bon, et bien vous savez quoi, c'est sur la résolution de cette énigme que bon, on se laisse. J'espère que cet épisode de Darksiders vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les gens. Classe.